Cette discrète Mercedes classe C pourrait passer pour un taxi ou pour la voiture de votre grand-oncle qui vient déjeuner chaque dimanche midi. Pourtant, cette classe C n'est pas une Mercedes comme les autres, c'est une AMG. Et ça, ça change tout. Laisse-moi sur le Shenzhen. Parce que AMG en allemand, ça veut dire Mercedes, rigolante et puissante, ya. Ouais, ouais, c'est à peu près ça. Et pour faire une voiture rigolote, chez AMG, la formule est en fait assez simple. Un gros V8 biturbo, une voiture élargie, un look suggestif, une sonorité effrayante et puis bien sûr, 510 chevaux. Ça, c'est le cocktail AMG pour Mercedes. C'est devenu une véritable marque dans la marque. Écoutez bien ce chiffre. Il y a 37 variantes AMG aujourd'hui dans la gamme Mercedes. C'est tout simplement la plus grande famille de sportives chez un constructeur. Quasiment chaque modèle Mercedes a sa déclinaison sportive. Ça veut dire une chose, c'est que ces trois lettres AMG sont tout simplement devenues incontournables dans le monde des sportives. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, AMG était un préparateur indépendant. En 1967, il fait courir de grosses Mercedes préparées comme cette classe S et son énorme V8 de 6,8 litres. 20 ans plus tard, il collabore officiellement avec Mercedes sur les classes C36 et 43 AMG. En 1999, le préparateur est intégré au constructeur qui en fait sa marque sportive. Aujourd'hui, la version AMG de la classe C63S s'offre un lifting. Au menu, une calandre barrette verticale et un intérieur modernisé. Mais est-ce suffisant pour tenir tête à la concurrence? Justement, pour parler de cette concurrence, on aurait bien fait venir la fameuse BMW M3 qui fait figure bien sûr de référence dans ce monde des berlines sportives. Seulement voilà, la M3 n'est plus produite et en attendant la nouvelle génération, cette Mercedes classée là se sent un petit peu seule. Seulement voilà, c'était sans compter sur le réveil d'une certaine marque italienne dont les berlines sportives sont également une marque de fabrique. Voilà ce qui se passe quand le groupe Fiat, propriétaire d'Alfa Romeo, décide d'investir 5 milliards d'euros pour redonner à cette jolie marque ses lettres de noblesse. Et ça donne ça, la Giulia Quadrifoglio, qui porte le fameux trèfle à quatre feuilles, symbole des Alphas sportives, et qui donne donc naissance à une berline ultra sportive, véritable porte-étendard pour Alfa Romeo. Sa mission est simple, justement, défier les BMW M3 et autres Mercedes AMG. Alors la conception de cette voiture, c'est avant tout une volonté de légèreté. Elle est tout en aluminium, bien sûr, avec même des éléments en carbone comme le toit, comme le capot et même comme l'arbre de transmission. Elle a un châssis ultra, ultra affûté. Une boîte de vitesse qui passe à une rapidité assez incroyable pour cette catégorie. Mais c'est peut-être pas un hasard parce que sous le capot, là devant, on a un V6 d'origine Ferrari. Ouais, ouais. C'est le V8 Ferrari auquel on a enlevé deux cylindres. Il est équipé de deux turbos, puissance 510 chevaux avec un bruit à tomber par terre. Elle n'est pas là pour rigoler, la Giulia. La Giulia n'a d'ailleurs pas besoin de se vanter d'abriter un moteur issu de chez Ferrari. Alfa Romeo ne communique d'ailleurs même pas sur ce lien de parenté. Non, elle compte simplement sur son blason, celui d'une marque qui a construit sa légende en course depuis le premier championnat de Formule 1 de l'histoire. Une marque qui, en 1950, invente les berlines sportives. Mais la vraie consécration intervient une décennie plus tard avec un modèle qui fait entrer Alfa dans une autre dimension. Je veux bien sûr parler de la Giulia, première du nom, une petite berline sportive à la conception très moderne pour l'époque. Il s'en est vendu environ 570 000 exemplaires et presque 1 million si on ajoute les versions coupées. Sa philosophie est très simple, c'est un véhicule fait pour être conduit, vraiment conduit. Ça là, ça vous donne des frissons tout en emmenant les enfants à la plage ou en week-end. Et je sais de quoi je parle puisque c'est la mienne. «
Côté design, les références à la vieille Giulia se limitent à la calandre triangulaire, le trilobo et à cet aileron concave. C'est côté philosophie que la nouvelle Giulia réjouit en revenant aux fondamentaux d'Alfa. Les joies de la propulsion, la magie des roues arrière motrices. On a donc voulu savoir si elle était plus fun que la Mercedes AMG avec notre pilote. Ton avis, laquelle est la meilleure? Écoute, je te dirai ça après. Allez, go. Une tête contre un braquet. Hop là, hop là. Regarde. Bon, Tony, validé hein, pour la Giulia. Validé. Next. Next. Allez. Bon, Anthony, place à la Mercedes. Allez, allez, go. Ah bah là, on est en classe business. C'est clair. Est-ce que cette classe CMG va faire mieux en drift que la Giulia? Go. Un petit temps de prise en main. Ouais, bah oui, attends. Ah, ça ronronne plus déjà. Qu'est-ce que ça ronronne? Voilà. Et puis par contre, je te dis pas la fumée que je vois dans le rétro. Bon, Anthony, ton verdict alors? Je voterai pour l'allemande parce que franchement, drifter dans une voiture aussi luxueuse, c'est pas donné à tout le monde. Et on est en classe business, en crabe totale. Ah, bon, ça, c'était pour la récréation. Mais maintenant, place au véritable juge de paix pour une sportive, le circuit. Ça tombe bien. Voici le circuit chrono automoto. 3,5 km d'un tracé particulièrement exigeant. Bon, Anthony, déjà, on a changé les pneus parce que c'est bien beau, hein, les drifts, la glisse, mais forcément, ça les use. On était un peu obligés, là. On n'avait pas le choix. Hein. T'as pris place dans la Mercedes. Là, on arrête la glisse, hein. C'est efficace, efficace. Hein. Ouais, même si on s'est bien marré à faire un petit peu de drift. Mais au moins, ça m'a permis de la prendre en main, tu vois. Bon, t'es prêt? Ah bah, je suis prêt, ouais. Allez, c'est parti pour les chronos. 5, 4, 3, 2, 1, go! Oh là là, c'est un vrai dragster! Et ouais, elle se la joue un peu à l'américaine, hein, cette Mercedes AMG avec ses 700 Nm de coupe. Mais elle embarque un petit V8 de seulement 4 litres avec des turbos placés à l'intérieur du V. Ah, le son du V8, il est exceptionnel. Il n'y a vraiment que AMG qui sait faire ça. Oh, là, même cette courbe, sans légère glisse. Allez, on va voir comment elle se comporte au freinage avec ses freins céramiques. Ah, c'est pas génial, la voiture est trop lourde. J'ai du mal à l'arrêter. Et ouais, ça glisse à la sortie, mais ça repart très fort. Direction le virage à l'aveugle. C'est vivant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ouais, on sent qu'elle n'a qu'une seule envie, cette voiture, c'est de se mettre en travers. Mais Anthony résiste pour le chrono. Là, faut jouer du volant, je vous le dis. 510 chevaux, on voit rien, faut s'en occuper. Écoutez-moi ce V8 à 7000 tours. Bon, Anthony, t'as pris place dans la Giulia. Oui. Pas le même environnement hein, que la Mercedes. Hein. Ah, c'est sûr, c'est un peu moins luxueux, beaucoup plus simpliste, on a moins de boutons partout. Mais ce qui est simple est peut-être efficace. Et bon, on va voir ça. Et puis là, t'as un V6 hein, au lieu du V8 Mercedes. J'ai hâte. On y va? Parti. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, go! Ce 6 cylindres, il marche. Ça a l'air de bien tenir la route. Hein. Sans que c'est une voiture ferme. La compression.
Et regardez ça, l'Alfa embrasse carrément le sol. Extrêmement agile l'italienne. On le voit ici dans la courbe, absolument aucun roulis. Ah, la palette, c'est dommage, je suis pas le volant, j'arrive pas à l'attraper. Anthony arrive maintenant à l'épingle, le plus gros freinage du circuit. Freinage excellent. Un peu de patinage, mais c'est ça qui est bon. Tout comme la Mercedes d'ailleurs, l'Alfa glisse pas mal hein, en sortie, mais avec 510 chevaux roue arrière, c'est le tarif. Et la Giulia qui file à toute allure, ça fait du bien hein, de retrouver une Alfa performante et dynamique. Trop sympa ce Toto. De retour dans la maison Automoto avec Anthony Beltoise qui vient de terminer hein, les chronos de nos deux stars de la semaine, l'Alfa Giulia Quadrifoglio et la Mercedes classée 63S AMG. D'abord Anthony, tes impressions ? Bon, d'abord l'Alfa. Ouais. J'ai vraiment été surpris par l'efficacité de son châssis. C'est vif, c'est incisif, ça a des très bons freins, super moteur. Elle a tout ce qu'il faut pour aller sur circuit. La Mercedes ? Ah, ça c'est du bestial. Hein. Ah, ça pousse tout le temps, ça a du couple, ça patine à la sortie des virages. Pas facile de les départager. Ouais, parce que je le rappelle, hein, Anthony ne connaît pas les chronos et il va falloir attendre encore quelques minutes. De retour dans Automoto, bienvenue si vous venez de nous rejoindre et vous avez bien fait. Dans quelques minutes, nous vous révélerons les chronos de nos deux stars de la semaine, la très bestiale Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio et sa copine de jeu aujourd'hui, la tout aussi bestiale hein, d'ailleurs, Mercedes classée 63S AMG. Le grand moment est arrivé, Anthony Beltoise et Olivier Vittard, notre tonton technique, nous ont rejoints sur le plateau d'Automoto. Mais pour ceux qui n'étaient pas avec nous en début d'émission, voici ce qu'il s'est passé previously dans Automoto. Précédemment, dans Automoto, nous avons opposé deux berlines très sportives. La Mercedes AMG C63S a affronté l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio pour un duel Allemagne-Italie. Elles développent toutes les deux 510 chevaux, mais laquelle s'est montrée la plus rapide? Ça y est, messieurs, le grand moment est arrivé. Je vais vous révéler les chronos de nos deux stars de la semaine. Et je vais commencer par la Mercedes, qui a tourné sur notre circuit Automoto en 1 minute 37 secondes rapide, et 644 millièmes. L'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio a tourné en 1 minute 34 secondes et 346 millièmes. Un peu plus de 3 secondes d'écart. C'est beaucoup. Olivier, c'est un bel écart quand même. Comment tu l'expliques ? Alors déjà, rappelons que sur les deux véhicules, il y a 510 chevaux, donc identiques. On a cité une facilité, une agilité avec un châssis affûté sur l'Alfa Romeo. Et de l'autre côté, on a la Mercedes qui a beaucoup plus de couple, mais peut-être un peu trop. Eh, ça patine, hein. Voilà, sortie de l'épingle, chercher la motricité, c'était pas évident, quoi, parce qu'il y a beaucoup de puissance à bas régime. Faut le dompter. C'est ça. Faut dompter, exactement. Parce qu'en gros, on a une Alfa qui est un petit peu en, plus en mode danseuse, hein, ballerine, comme ça. Et puis, la Mercedes qui est clairement typée. Bon, voilà, on est en classe business dans un dragster, Anthony, hein, c'est ça. Hein. C'est un dragster avec beaucoup de confort. Et là, c'est moins confortable, mais plus efficace.